Pour ce premier numéro de Vitamine Souhait, je vous propose de partir à la rencontre d'un des plus grands talents du football martiniquais. À 31 ans, Kevin Parsemain est aujourd'hui l'attaquant star de la sélection de Martinique récemment qualifiée pour la prochaine Gold Cup aux États-Unis. Désormais installé sur son île, il revient avec nous sur sa vie de sportif de haut niveau, faite d'expériences quelque peu contrastées aux quatre coins du globe. Parcours de vie de champion, c'est tout de suite dans Vitamine Souhait. En cette fin du mois d'août, il souffle sur l'île comme un parfum de reprise. Le trophée Yvon Ludbert, sorte de trophée des champions local, siffle chaque année le coup d'envoi de la saison. Comme partout ailleurs, le football attire les foules. D'autant plus que ce soir, la finale oppose les deux meilleures équipes de Martinique, le club franciscain et le Golden Lion. Si il habite toujours avec le ballon, il va essayer d'aller à Tébiron. Parsemain peut-être. Et le but ! Le but pour le Golden Lion, marqué par le goleador Kevin Parsemain. Au bout d'une rencontre riche en rebondissements, le but de Kevin et cette tentative sur coup franc ne suffiront pas à l'emporter. Les rouges et blancs s'inclinent au tir au but après prolongation. C'était dur de faire tout le match comme ça parce que j'ai un petit peu de douleur au genou, mais ouais, j'ai tout donné. On avait besoin de ça, on avait besoin d'engranger du temps de jeu. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai relevé la tête. Pour tenter de mieux connaître le footballeur Kevin Parsemain, il faut revenir aux sources, au François, justement. Véritable bastion du sport martiniquais, le club franciscain, club le plus titré à l'échelle locale, où Kevin a touché ses premiers ballons. C'est là qu'on a commencé en club, le club franciscain. En compagnie de Yannick Choskova, son ami d'enfance passé lui aussi par un centre de formation dans l'Hexagone, ils reviennent sur les pelouses de leur début. Ah ben ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas revenu ici. Ah ouais. Là, on s'entraînait à partir de 13 ans, ouais. Sur ce terrain-là. Et les débutants poussins. Et puis après, les Benjamin au fond. Et après, moins de 13, moins de 15, tout ça. Et les seniors s'entraînent là le soir. Ici, jusqu'à 16 ans, Kevin fait partie des meilleurs de sa génération. Un de ses nombreux talents précoces issus du club. Et voilà, il y a vraiment plein de joueurs qui sont sortis d'ici. Gus, Gustin, Steve, il y a eu Abol, il y a Timon, Jordi Bionner qui est à Nice. Et voilà, tout ça c'est le François, c'est formé au François. Ça fait plaisir. Franchement, le François, aujourd'hui c'est les adversaires, mais le François a une place particulière dans mon cœur. Donc, c'est une commune qui m'a apporté beaucoup de choses. Hein. On a joué ensemble au New Star de Ducos, effectivement. Voilà. New Star, c'était. C'est diffé. C'est coup de pied. Je faisais le nettoyage de rien, puis monsieur faisait la nuit chercher d'or. Bah, le New Star, c'était une opportunité par rapport à mon père, parce qu'il est parti en tant qu'adjoint. Et il m'a proposé de peut-être passer le cap des seniors pour prendre un peu physiquement, parce que j'étais effectivement très léger. Donc ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis surtout, au François, il y avait tellement de qualité, il y avait tellement de grands joueurs que c'était compliqué de faire les jeunes jouer. Et je savais que si j'avais envie de peut-être tenter ma chance en métropole ou quelque part comme ça, qu'il fallait prendre physiquement, il fallait jouer à un meilleur niveau. Et les matchs de 18 ans ne me satisfaisaient plus, puisqu'on gagnait tout le temps 5, 6. C'était assez facile pour nous, on avait une trop bonne équipe. Donc j'ai pris le risque de me mettre en danger pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. À 16 ans, il fait donc le grand saut et débarque dans la catégorie senior.
Oui, les U20 et les U17 ont un match amical contre Saint-Martin à la fin du mois d'octobre. Avec près de 20 ans de carrière en tant que dirigeant de ligue, Jocelyn Germay connaît mieux que quiconque le football martiniquais. Des talents locaux, il en a vu défiler sous ses ordres. Son passage par le Nuissard de Ducos, puis son passage par l'US Robert, qui ne faisait pas partie des grandes équipes martiniquaises, au même titre que le club franciscain, les Glons, etc. Donc il pouvait jouer. Je me souviens d'un match entre le Nuissard de Ducos et le 16 Casse-Pilote, qui était en division d'honneur, qui était retransmis par Christian Cabrera, et qui était en extase devant ce jeune qui disait, mais il y a un jeune, petit de qualité, qui réalise des prouesses techniques, c'est pas possible. C'est là que j'ai quand même commencé à sentir que je courais un peu plus vite, que je tenais bien les duels, tout ça. Et c'est exactement cette année-là que j'ai été repéré par le Mans. Mais avant de s'envoler au centre de formation du Mans, Kevin a d'abord intégré le Pôle Espoir de Martinique. Une structure de formation avec des entraînements quotidiens, un rythme soutenu, proche des exigences du haut niveau. Mon père travaillait au François, donc il m'emmenait tous les matins, j'allais en cours. L'après-midi à 16h, on avait entraînement tous les soirs, et puis match amical le mercredi. Et puis le dimanche, le samedi ou le dimanche, selon l'âge, selon la catégorie dans laquelle on jouait, on avait match le week-end. Donc c'était un peu ça avec le club. Donc c'était un peu ça le quotidien hein, pendant 3 ans. Et puis ça aide quand même à prendre conscience que le football demande beaucoup de choses, même si ce n'est pas tout à fait le même niveau que la métropole, mais c'est quand même déjà, à cet âge-là, beaucoup de sacrifices, puisqu'il y a entraînement tous les soirs, on est tard, on est fatigué, et il faut quand même assurer les études. Donc ouais, c'est quand même l'antichambre du football professionnel. Lorsqu'il débarque au Mans, à plus de 7000 km de ses bases, les choses ne sont pas forcément évidentes. Son coach de l'époque, aujourd'hui en poste au PSG avec Thiago Motta, se souvient d'un attaquant pétri de qualité. Souvent, les joueurs qu'on récupère dans les centres de formation à cet âge-là, ils ont des manques plus sur le plan technique, ce qui n'était pas le cas de Kevin. Techniquement, Kevin, c'était un très bon joueur, avec vraiment de grosses qualités de dribble. On va dire que j'étais fier, mais un petit peu désarmé. Kevin, il était typique, qui venait des îles, quoi. Voilà, cool, tranquille. Mine de rien, on s'en rend pas compte qu'on vit à un rythme un petit peu moins élevé. On a des attitudes qui font penser que, déjà. Après, sur le terrain, c'est pas forcément vrai, mais dans le quotidien, c'est l'impression qu'on donne. Quand je suis arrivé, c'est vrai que j'allais à l'entraînement, j'arrive en sandales, traînais des pieds. C'est certainement ce qui lui manquait un petit peu pour franchir un cap. Au niveau sport, ça allait au début. Et malheureusement, les études, ça n'a vraiment pas marché. Moi, je ne le connaissais pas, Kevin, et quand on me l'a présenté, c'était un joueur qui voulait suivre la filière S. Donc on s'attendait à ce que ça soit un très bon niveau scolaire. Mais l'année où il arrive, il est tout seul en S, que par un bac, et on lui reproche d'aller au cours trop tard et rater même des entraînements de football. Après, il a eu beaucoup de difficultés à suivre. Alors après, est-ce que ça venait du niveau plus important en métropole qu'en Martinique? Ça, je suis incapable de répondre. Eh bien, il a décidé de le dire merci. Et il a sollicité le même agent qu'il avait détecté ici, qui était Manso, donc effectivement, qui lui avait trouvé Evento Longara, qui était intéressé par son profil. Ils m'ont fait d'abord jouer en réserve. Je suis rapidement devenu meilleur buteur de la réserve et ils m'ont fait monter en national. Ils étaient en national à l'époque. Et le jour de mon premier match, c'était à Cherbourg, en national. Je suis rentré. Peut-être 5 minutes après mon entrée, j'ai mes abdos qui ont lâché sur le pubis. D'un coup comme ça, donc... Et c'est là que pour lui, tout est fini dans sa tête. Face à cette nouvelle désillusion qui se présente, Kevin décide finalement de rentrer auprès des siens. Cette fois, avec l'intime conviction de vouloir s'accomplir en tant qu'homme. Ok, merci.
Là, on a ici. Et puis. Le coach. L'accompagnateur, on va dire aussi autour. Oui. Je lui ai dit, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que vu ta situation, un seul club, une seule institution qui peut te permettre de reprendre tes études par rapport à ta situation, c'était la MEP. Il me disait aussi, maman, j'étais un très bon élève quand j'étais en classe, en maternelle primaire, au collège. Je me vois vraiment à 30 ans, je ne me vois pas à 30 ans sans un diplôme en poche. Tout de suite, il m'a dit, je veux poursuivre mes études. Et c'est à partir de là que les contacts que j'avais, c'était notamment la possibilité d'entrer à la MEP. Donc j'ai appelé les dirigeants du Racing Club de Rivière-Pilote qui avaient des contacts avec cet établissement scolaire. Ça s'est en plus quand même bien passé au Racing Club de Rivière-Pilote pendant 4 ans et demi. Et puis voilà, donc pendant ces 4 ans et demi, j'ai tout gagné en Martinique et puis j'ai obtenu jusqu'à la licence de gestion. Et c'est lors de la quatrième année, il y a la Gold Cup en 2013. Je fais une assez bonne Gold Cup, je suis repéré et je pars en janvier 2014. À 26 ans, Kevin découvre donc un championnat américain en plein développement. Entraînement quotidien, infrastructure de qualité et le tout avec le costume d'ambassadeur de son île. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes puisque c'est le premier joueur qui passe du championnat antillais martiniquais directement à un contrat pro en MLS. Ils m'ont quand même laissé à l'essai pendant quasiment un mois. Donc pendant tout ce temps-là, je baissais la tête, je m'en foutais que ce soit Martins, peu importe qui. Sur le moment, je n'ai pas encore signé, donc je m'en fous. Et puis les matchs amicaux arrivent et là, je marque autant de buts qu'eux, je vois que tout se passe bien pour moi. Donc là, je prends confiance et eux-mêmes t'intègrent un peu plus facilement. Et à partir de là, ça, tout s'est super bien passé jusqu'à cet malheureux événement encore. Kevin, just in the game on Sunday in the reserve game. Je marque deux buts et je vais marquer un troisième, je me souviens. When he planted, felt as he planted, felt his foot stick a little bit in the grass, you know, that was probably what, you know, threw it into an ACL tear. So his ACL tear, we're not quite sure when we do surgery yet. We want his range of motion to be good and the swelling, that, you know, there's a bit of swelling in there right now. We want that swelling to come down, and once that's where it needs to be, then we'll do surgery. If you wait for me. Quelques semaines après la signature de son premier contrat professionnel, Kevin subit l'une des pires blessures du footballeur. Une rupture des ligaments croisés du genou avec de longs mois de convalescence. C'est un souvenir plutôt douloureux. Donc après, j'en parle. Bon, des fois, je suis en train de revoir l'image dans ma tête en même temps que je parle. Tu vois, donc voilà, c'est ça. Mais moi, je vois ça, mais je suis tenu de... d'être celui qui va relancer. Je venais de sortir de Paris pour faire mon visa. Et c'était un visa sur 4 ans, donc c'était pour quelque chose de sérieux, c'était bien parti. Donc déjà pour l'opération, ça met en part. Et le voir mais vraiment se battre encore, se disant que j'ai encore une chance, je ne dois pas lâcher, je vais encore continuer. Et il s'est remotivé pour pouvoir effectivement, même le médecin était surpris de voir comment ça allait si vite, sa guérison. Et quand il va reprendre le terrain, après sa rééducation, tout ça, il commence, il dit que pour reprendre le terrain, il faut que son père soit là. Et c'est là que Seattle, les Sounders, me payent un billet pour venir un mois et demi avec Kevin pour l'accompagner dans sa reprise sur le terrain. Malgré un retour en forme, Kevin ne sera pas conservé par son club. L'aventure américaine touche donc à sa fin
sans avoir disputé le moindre match officiel. Ils avaient déjà un regard sur le football martiniquais. Le fait que Kevin Parsemer ait signé dans ce club américain, eh bien, il y a eu un regard particulier qui a été tourné vers le football martiniquais, en tout cas une foi, une confiance en football martiniquais. Et comme nul n'est prophète en son pays, c'est finalement sur le continent africain que Kevin retrouvera des couleurs. Et que oui, donc je lui ai dit que Kevin allait sur les doigts, allait au Congo, il a ouvert des grands yeux et puis il a secoué la tête. Et je dis, bon, c'est vrai que ça va paraître ridicule, peut-être pour certains, mais je suis fier si tu vas jouer au Congo. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de supporter tous les jours au quotidien comme ça les différences de richesse. Parce que bon, savoir que toi tu as tout et peut-être 300 mètres plus loin, tu sais qu'il y a un quartier super défavorisé, ça c'était le plus dur à vivre. Mais d'empêche que ça a permis à Kevin de rebondir, de forger son caractère parce qu'il jouait dans des conditions du Congo, difficiles avec machin. Ils avaient deux groupes de supporters et il y en avait un qui était important et le chef, le jour de la présentation des joueurs, il m'a arrêté comme ça devant les caméras et puis il m'a simplement surnommé Obama. Alors moi je lui ai demandé pourquoi et il m'a expliqué que c'est parce que je venais du championnat américain. Affublé d'un surnom et de son numéro 17 fétiche, Kevin est en confiance et ça se voit sur le terrain. C'était pas vraiment financièrement que c'était compliqué, c'était plus au niveau de la sécurité autour des matchs, c'était pas assuré, c'était mal organisé et on a clairement dit que si s'ils ne changeaient pas les choses, que nous on resterait pas. Je pense pas qu'ils auraient frappé les joueurs ou quelque chose comme ça, mais le simple fait qu'ils passent à côté de moi avec des baramines ça, et puis qu'ils agressent les arbitres et tout, je me suis dit non, je peux pas participer à ça. Il est allé faire des essais en Afrique du Sud. Il a été sollicité en Arabie Saoudite. Mais tout ça, bon, avec les conditions, quand il demandait conseil à d'autres qui sont allés à Riyad, etc., bon, c'était pas évident. C'est bien l'argent, quitte à galérer un peu, autant galérer chez soi. Donc j'ai dit, c'est là que j'ai décidé de sans doute mettre un terme à un projet professionnel et puis de rentrer vraiment me poser au pays. Pourtant, un an après son retour en Martinique dans le championnat local, Kevin séduit encore le monde professionnel. Cette fois, c'est le club du Kansas City qui saute sur l'occasion et tente d'enrôler le co-meilleur buteur de la dernière Gold Cup. Ils avaient besoin de lui pour une histoire de play-off, parce qu'ils n'avaient pas d'attaquant. Ils étaient premiers, bizarrement, en étant la sixième ou septième attaque. Alors qu'ils avaient une défense exceptionnelle, mais ils avaient besoin d'un attaquant, donc ils avaient besoin de Kevin pour faire le tournoi final des playoffs et puis la cup. J'ai réfléchi, j'en ai parlé à ma famille, ma compagne, etc. Et puis on a dit que ça restait quand même une belle opportunité et je suis parti. Le contrat était très intéressant. Le challenge sportif. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait gagné plus de 10 000 dollars par mois. Donc, plus de loger, enfin, c'était vraiment intéressant. On a appris une chose que personne ne savait, puisqu'on n'avait jamais fait signer un joueur amateur hors période de transfert. Et on a appris qu'on ne peut pas faire ça en MLS. Et la FIFA, malgré les demandes de dérogation, n'a pas accepté. Un faux départ qui scelle finalement les espoirs d'un dernier défi professionnel. C'est une déception sportive, mais c'est pas forcément une déception personnelle. Pour moi, c'est un mal pour un bien, plus ou moins. Je pense qu'il a beaucoup de frustration au plus profond de lui. Il est passé à un chouïa de la réussite, de ce rêve d'enfant,
Mais en même temps, je suis quand même fière de lui. Merci. Il y a de la fierté, bien sûr, mais la fierté ne vient pas de ses résultats, de ses performances, de sa carrière, de sa capacité à chaque fois de renaître de ses cendres. Désormais, à 31 ans, Kevin affirme avoir tourné définitivement la page d'une carrière professionnelle. À l'image de son instinct de buteur, Kevin a longtemps trouvé avec brio le chemin des filets sans pour autant atteindre le but ultime. Celui de s'imposer sur la durée hors de ses bases et d'accomplir son rêve d'enfant.